la certification de compétences est liée à l'exercice d'un métier. Elle reconnaît les connaissances, savoir-faire et aptitudes d'un professionnel selon un référentiel élaboré conjointement par des spécialistes métiers et APAV Certification, organisme certificateur du groupe APAV. Cette certification peut être volontaire ou réglementaire. Quels métiers peuvent être concernés? La certification de compétences peut concerner la plupart des métiers, comme par exemple agent qualifié d'intervention en chaufferie, dépanneur en installation électrique, technicien compétent chargé de l'inspection des matériels et ensembles démontables, chargé de clientèle HS2, diagnostiqueur technique immobilier, soudeur, métrologue et bien d'autres encore. Pour quelles raisons faire certifier ses compétences? Obtenir une reconnaissance de ses compétences par un organisme indépendant. Donner la légitimité à exercer sa profession grâce à un certificat et une carte de compétences. Avoir la capacité de répondre à certains appels d'offres nécessitant des professionnels certifiés. À qui s'adresse la certification de compétences? À l'initiative du chef d'entreprise, du responsable des ressources humaines, du manager, d'une profession ou d'un particulier, la certification de compétences s'adresse à tous les professionnels, qu'ils soient demandeurs d'emploi ou en activité. Elle permet ainsi de démontrer leurs compétences, leur fiabilité et leur employabilité. La certification de compétences s'organise en trois étapes. Étape 1, la formation. Elle est dispensée par un organisme indépendant comme APAV Formation. Les candidats suivent une formation théorique qui peut, selon la certification de compétences choisie, être complétée par une formation pratique. Étape 2, l'examen. Les candidats se présentent à l'examen réalisé par APAV Certification qui consiste à répondre à des questions à choix multiples et éventuellement à réaliser un exercice pratique. Au terme de cet examen, les dossiers des candidats et les observations de l'examinateur sont remis à APAV Certification pour être analysés. Étape 3, la décision. Après délibération, APAV Certification fait part de ses décisions aux candidats. Les lauréats recevront alors par courrier leurs certificats et cartes de compétences et pourront ainsi les présenter à leurs clients, preuve de leur légitimité à exercer leur profession. Avec APAV Certification, vous êtes reconnus.